Salut à tous, la recette d'aujourd'hui c'est le pain brioche. Les ingrédients sont 500 g de farine, 100 g de sucre, 2 œufs, 1 citron, 20 g de levure fraîche ou 8 g de levure sèche, 220 ml de lait tiède, 90 g de beurre et 5 g de sel. Nous allons ajouter au lait, la levure et une cuillère de sucre et mélanger pour laisser monter la levure. Pendant ce temps, dans le robot pâtissier, ajoutez la farine, le sucre, le sel, les œufs et le zeste de citron. Et mélangez le tout, ensuite, ajoutez le lait avec la levure montée. Puis, ajoutez le beurre mou, coupé en petits morceaux. Et si vous voyez que la pâte est trop liquide, vous pouvez ajouter un peu plus de farine, dans mon cas, j'ai ajouté 50 g de farine. Laissez mélanger le tout à nouveau. Vous pouvez faire cette opération à main aussi, sans l'aide de la machine. Une fois la pâte est prête, qu'elle est souple et élastique, transférez-la dans un récipient, formez une boule uniforme et couvrez et laissez reposer pendant une heure de temps, pour la faire doubler de volume. Une fois doublée de volume, il faut pétrir à main et laisser reposer pendant 45 minutes ou une heure de temps encore. Et une fois la pâte est bien montée à nouveau, faites la composition de votre pain à votre choix. Avant de le mettre au four, couvrir la surface du gâteau avec un peu d'œuf. Mettez au four, à 180 degrés, pendant 25 minutes à four ventilé. Et notre gâteau est prêt. Merci d'avoir suivi ma vidéo. N'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu et de vous abonner. Et à la prochaine, sur une autre recette.